Salut à tous les amis, retrouvez les stories de vos personnages préférés sur notre chaîne. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours à 21h, on publie les stories des personnages publics les plus suivis. N'hésitez pas à vous abonner et liker ou nous soutenir sur notre Tipeee. Toutes les infos sont dans la description. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Oh, je suis fracassée aujourd'hui. Hier, on s'est couché à 4h du matin, on discutait avec les voisins, du coup, on discutait avec Laura et Guillaume, et d'un coup, on a vu l'heure, on a dit on va se coucher, mais c'était déjà trop tard. Trop tard, je suis KO aujourd'hui. J'ai plus l'habitude de me coucher tard. Vraiment, j'ai plus l'habitude. Il a acquis ce bébé qui joue partout. Je crois que c'est devenu ma place favorite, le tapis. Quoi, me regarde pas comme ça. Maman, elle est fatiguée. Alors, on se moque pas de maman, là. Toi, t'es en forme, toi. Bah oui, toi, t'es en forme. Toi, t'es jamais fatiguée. J'ai reçu ma commande de chez Clarosa. Non, mais Elon, c'est pas pour toi. Regardez, donc j'ai pris celle-ci, voilà, elles sont hyper jolies. Mylon, c'est toujours pas pour toi. Non. Également celle-ci, elles sont en genre de paille compensée. Ensuite, les petites espadrilles avec les petits coquillages, comme ça. Et pour finir, ces talons marrons. Donc en fait, vous avez devant la lanière en plastique, derrière aussi. Voilà, elles sont... Moi, je les ai pris en marron. Ils sont confortables parce que le talon, il est carré. Profitez parce que j'ai un super code promo. J'ai moins de 35% pour vous. Et en plus, sur le solde, il y a déjà entre moins 30 et moins 80%. Donc, ça vaut vraiment le coup. Voilà, si vous avez besoin de chaussures, il y a de tout. Il y a des claquettes, des baskets, des talons, des compensés. Donc, quand vous arrivez sur le site Clarosa, c'est les French Day. Il y a des grosses promos, profitez. Il y a tout le temps de la nouveauté. Donc, moi, c'est ici que je vais dans nouveauté. Et il y en a vraiment très, très régulièrement. Donc, par exemple, je vais mettre au panier... Non. Il veut tout attraper. Bon appétit. Mais Mylon, t'as mangé il y a une demi-heure. Le pauvre, il a envie de croquer. Mais il connaît pas ce goût, donc ça va, ça va. Mais t'as 3 chicots, Mylon, 3. Tu veux faire quoi avec 3 chicots? Hein? Qu'est-ce que tu veux faire avec tes 3 dents? C'est ça que tu veux? Ah. Je t'aime trop. Moi aussi, chérie. Je suis trop bien amoureux de toi. Ah ouais? J'aime bien être amoureux de toi. On reste encore un peu? Oh, toute la vie. Même si des fois, tu me saoules quand même. Et toi, tu me saoules pas, toi? Ouais, mais toi, tu me saoules un peu plus quand non, même. Non. Mais si, il range rien. Comment je range rien? Je te jure ça. C'est pas vrai, je range tout. Pardon? Je range tout. J'ai vite fait, quoi. Ouais, voilà, vite fait. Ouais. Quand même, ça va. Ouais. Ouais, toi, tu... Et moi, je vois tout ce que tu fais pas. Toi, tu fais, j'ai les yeux partout. Et vous savez que des fois, genre, je lui dis, tu fermes la moustiquaire. Mais comme par hasard, au moment où il va l'ouvrir, je vais arriver, il me dit, non, mais j'ai ouvert parce que... Tout le temps, je le prends en flag. En fait, il essaye de faire des trucs pas bien, qu'il n'est pas autorisé dans la maison. Et c'est des trucs de merde, hein, mais il y a des consignes à la maison, on a tous des règles. Genre pas ouvrir parce qu'il y a beaucoup de moustiques, pas fumer à l'intérieur, enfin plein de règles. Et ben je le chope à chaque fois en flag. C'est une horreur. C'est Thibaut le mytho. Mais je ne déconne pas, hein, parce qu'en plus quand je le chope en flag, il me dit non, j'ai pas fait, non. Un mytho, frère, c'est devenu. Et essentiel. Ah 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 ah, c'est vachement drôle. C'est vachement marrant, hein. Bah oui. Qu'est-ce qu'il a? Dans une seconde, il va faire demi-tour, il est là. Non? Qu'est-ce qu'il fait là? Ah! C'est une blague. Non, mais je vais me le partir. Allez! C'est une... Je vais le buter. Il me fatigue. C'est un gosse. J'en peux plus. La vérité. C'est carré. Qu'est-ce que tu fais? Je conduis. Non, qu'est-ce que tu fais? Je conduis, chérie. Non, t'as quoi dans la main? J'ai une cigarette. J'en peux plus, chérie, je t'explique. J'adore ça. J'aime ça. J'en peux plus. Et je suis heureux. Je suis à bout. Moi, quand je suis heureux. Les gars, il y a 6 mois, il était plein de. Ouais, arrêtez de fumer. Il est devenu pire qu'avant. Non, mais pire. Mais je suis heureux. Je suis heureux comme ça. J'ai besoin de ça. Je vous jure, c'est une horreur. Il s'est arrêté pour se faire une petite cigarette. C'est ça, là, je vous montre. Voilà. Il s'arrête pour faire ça. J'ai envie de le jeter. Hein. Je peux plus le voir. Je vous jure. En plus, il tout le temps a des moments improbables.
Genre, tu vas aller quelque part, ben lui, il va sortir, se faire sa petite pause. T'es en train moi, de conduire. Si on conduit la golfette, il s'arrête en plein milieu, ben, il se fait une petite pause. Je kiffe ma life. N'importe quoi. Alors, je vous explique. Je suis kiffeur de life. Moi, j'ai arrêté de fumer quand je suis tombée enceinte. Oui, je refumais de temps en temps, mais que pour fêter des choses, en fait. Voilà. Je dis la vérité. Mais moi, tous les genre, jours, pour un anniversaire, pour ça m'est arrivé, je vais pas cracher dessus. Mais au quotidien, toute la journée, mais quand même, tu peux mourir. Mais moi, je fête tous les jours des trucs, je fête ma vie. Je fête ma vie. Qu'est-ce que vous faites, mes petits hommes de ma vie, ceux-là? Qu'est-ce qu'ils font? Des bêtises. Oui, ces petits hommes. Oh là là, on le bouffe, ce petit homme. Ce petit homme que je bouffe. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de te tourner? Allez, je t'aide. Ah. On va au bain? Il a dit oui. Dans le bain, il crie. Il fait... Ah non, mais là, tu manges pas mes doigts. En fait, le problème, c'est qu'il il veut mettre mes doigts dans la bouche. Mais il a trois dents en bas qui font grave mal. Tu me fais mal quand tu me mords. Ben oui, grave. Tu me fais grave mal. T'as des grandes dents maintenant. J'aime trop ma famille. Oui. Mmh. Tenu, mais c'est tout. Qu'est-ce que vous faites, mes petits hommes de ma vie, ceux-là? Qu'est-ce qu'ils font? Des bêtises. Oui, ces petits hommes. Oh là là, on le bouffe, ce petit homme. Ce petit homme que je bouffe. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de te tourner? Allez, je t'aide. On va au bain? Il a dit oui. Dans le bain, il crie. Il fait... Ah non, mais là, tu manges pas mes doigts. En fait, le problème, c'est qu'il il veut mettre mes doigts dans la bouche. Mais il a trois dents en bas qui font grave mal. Tu me fais mal quand tu me mords. Ben oui, grave. Tu me fais grave mal. T'as des grandes dents maintenant. J'aime trop ma famille. Oui. Tenu, mais c'est tout. Quoi? J'ai pas compris. Tu répètes? Tu répètes, belle tête? Mylon. Il est trop grand maintenant, je veux qu'il répète. Tous les jours, on se dit ça. Tous les jours, on se dit, mais non, ça va trop vite. Reste petit. Bouba quoi? Il peut pas, il a dit. Bouba. Tu peux pas? Maman. Oh, maman. Oui, je suis là, mon fils. Oh, oui, maman. Papa. Non, que maman, t'as raison. Non, ben là, il veut ben là. Allez, on va au ben. Mon fils a une nouvelle mode, c'est qu'en fait, il l'attrape et il pince, en fait. Avec ses petits doigts, il pince fort. Il m'a attrapé le tété dans la douche. On était dans le bain et tout. Et d'un coup, je sais pas pourquoi, normalement, il jouait avec sa grenouille. D'un coup, il l'a attrapé. Il m'a démonté. C'est sa nouvelle mode. Le cou, pareil, il pince, mais fort. Je sais pas s'il apprend à sentir la puissance de sa main ou si... Il essaye, il doit pas se rendre compte qu'il fait mal, mais... Ah, il nous démonte en ce moment. Il commence à avoir tellement de force, il nous envoie des coups de tête, des coups de boule, des... Il m'a explosé le menton aussi, il m'a mis un coup dans le menton. Bon, il est en plastique, donc je risque rien. Mais qu'est-ce qu'il est brut. Je sais pas si c'est les garçons ou pas, mais...